Finalement, cette conscience qu'il y a autre chose que ce monde-là, toutes ces énergies, en quoi est-ce que ça impacte ta vie? On arrive à puiser de la force, on arrive à vraiment en prendre de la force, et c'est surtout le besoin, je pense, naturel de percer, de persévérer, hein. Percer et vous verrez. Il y a un secret, il y a quelque chose, hein, quelque chose qu'on essaie de nous cacher. Mais je pense que dès qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose, on essaye de. Je pense que sans faire exprès, on se met à suivre une voie initiatique. Et on dit d'ailleurs que tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, tous les chemins mènent à l'homme. Et en fait, on en revient à chaque fois à notre histoire. D'où on vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, pour quel but, avec qui, quand. Et c'est quand on se met à se poser ces questions-là, c'est là qu'on arrive sur une voie initiatique. Bon, certains, c'est sur l'alimentation, certains, c'est pour aider les autres, l'architecture. N'importe qui va partir dans n'importe quel sens. Du moment qu'on creuse vraiment l'endroit où on va, je pense qu'on arrivera toujours, toujours, toujours à la spiritualité. D'ailleurs, il y a une musique qui se met en marche juste au moment où...